Comment les choses vont se dérouler? Donc avec la situation du comment nous étions, donc dans un état plutôt vétuste, donc toute la réflexion qui a été menée par les élus du territoire de Béziers pour dire que faisons-nous, donc tout à l'heure ça va être expliqué en quelques mots, et puis dire vers où nous allons. Donc vers où nous allons pour avoir ici sur le département de l'Hérault, à Béziers, dans l'ouest, avoir quelque chose qui réponde à la totalité des manifestations qui peuvent être faites ici, puisqu'il y a InterSud qu'on fait ici, hein, qui ramène quand même 2,5 millions d'euros dans les carnets de commandes des entreprises du Viterrois. Donc il fallait qu'on mette à disposition de la totalité des chefs d'entreprise et des habitants un parc d'exposition digne de ce nom. L'attractivité commerciale en créant bien sûr des événements, c'est offrir de nouvelles opportunités à nos commerces et à nos entreprises. Cette position, nous la tiendrons prochainement, avec la 37e foire de Béziers qui se tiendra du 16 au 20 septembre. Car si nous, chambres de commerce, n'impulsions pas du dynamisme sur les territoires, alors nous serions fautifs.